Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Joly. Et moi, c'est Nicolas Monette. Et on anime une émission qui s'appelle « De quoi tu parles d'eux ?» Mais aujourd'hui, on est ici avec encore Ottawa, mais on est ici spécialement avec... Mia Kelly et Nick Loyer. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Ça va, merci. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés pour créer justement ce... Je ne vais pas appeler ça ce duo-là, mais cette collaboration plutôt, parce qu'on sait que vous avez vos projets respectifs, mais cette collaboration, comment elle est née? Mia nous a demandé à mon groupe et moi de faire sa première partie pour son lancement d'album. Ça fait quoi maintenant, 4 ans ou 5 ans? Presque 5 ans. Presque 5 ans qu'on se connaît déjà. Puis par la suite, moi je tombe en amour avec sa voix, puis je voulais y écrire des chansons. Puis finalement, c'est elle qui a écrit des tunes. on a écrit plein de tunes ensemble. En puis ouais, on s'est retrouvés avec une belle petite collection de chansons. Puis... des chansons qu'on adore chanter ensemble puis qu'on fait souvent à mes spectacles. J'amène Nicolas comme invité spécial à la fin. Donc, on voulait vraiment pousser ce projet-là, cette collaboration. Quand vous faites des compositions, évidemment, vos voix, ils se mêlent tellement bien ensemble. C'est un peu hallucinant de vous écouter. On dirait que c'est comme c'est fait pour être comme ça dans cette collaboration-là de voix. Que les deux avaient des timbres uniques. Puis, comment est-ce que vous faites quand vous faites la composition pour séparer les parties, pour dire quelle harmonie vous faites ou ce genre de trucs? C'est une bonne question. Je pense qu'on essaie vraiment de voir qui fait briller quelle partie de la chanson, puis quelle partie qu'on peut harmoniser pour faire vraiment pour vraiment servir la chanson et non les voix individuelles. C'est comment qu'on peut faire briller la chanson vraiment, je crois. Oui, puis dépendamment du thème ou du sujet, des fois on va avoir un échange entre les voix. Puis aussi quand on parle d'harmonie, on veut vraiment que ce soit un moment spécial dans la chanson pour amplifier ce moment-là, fait que l'harmonie vient ajouter énormément. Puis nos voix se complémentent très bien. On a deux voix puissantes qui font en sorte que ça fait un duo d'enfer. Là. C'est vraiment fun. Je veux dire quelque chose. Vous n'êtes pas un couple. Non. On pourrait croire que oui, parce que faire de la musique ensemble, c'est un peu être en couple. Ça, c'est vrai. Comme un mariage. C'est comme un mariage musical que vous faites parce que vous avez chacun vos inspirations, vos bagages, des styles qui se ressemblent un peu. Mais comment est-ce que vous trouvez ce compromis-là, comme qu'on vivrait dans un couple traditionnel de Mia veut faire ça, Nick veut faire ça, mélanger les inspirations? Je pense que ça va super. Notre couple musical va très bien. On est très sains dans ce qu'on... dans ce qu'on aime individuellement, puis on est vraiment honnête entre les deux, surtout quand on est en train d'écrire. Puis l'honnêteté, c'est vraiment la clé pour de la bonne écriture, je crois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes avec qui je pourrais écrire. Puis de pouvoir être franche, puis de dire « ça, j'aime vraiment pas ça » ou « ça, j'adore, mais j'aimerais ça pousser ça dans cette direction-là », puis de vraiment avoir une écoute, puis d'un espace vraiment sécuritaire pour pouvoir partager nos opinions, c'est... ça fait un couple sain. Oui, puis c'est très important. Puis aussi, on partage, tu sais, quand même une plume qui se rejoint, si vous voulez. Là. Nous, on avait nos projets respectifs, puis c'est l'écriture d'un et de l'autre qui ont fait en sorte qu'on allait travailler ensemble, puis justement, on allait avoir cette ouverture-là, puis qu'on allait bien s'entendre. Sinon, ça serait pas le cas, on serait pas ici. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence quand vous devez écrire pour justement votre collaboration comparativement à quand vous écrivez pour vos projets respectifs? Oui, absolument. Oui, est-ce que vous vous imaginez, vous vous inspirez l'un de l'autre? Avez-vous genre un Google Docs que vous mettez tous vos trucs dedans? Ou c'est quoi, comment on fonctionne de cette façon-là? C'est drôle, c'est souvent Nick qui amène l'idée ou soit le thème ou une mélodie. Puis des fois, il y a une histoire qui est déjà un peu préentendue pour le texte ou pour le petit bout de refrain qu'on a amené à la chanson. Mais des fois, ça l'est arrivé une fois pour Hold On To, d'ailleurs, où Nick avait une mélodie, puis il n'y avait pas encore les paroles. Fait que là, il faisait... puis moi, j'entendais les paroles dans ce qu'il chantonnait. Puis dans le fond, c'était comme ça que c'est devenu
de fil en aiguille, on a trouvé l'histoire que la chanson voulait raconter. Donc, c'est vraiment différent de ce que j'écris personnellement, mais c'est ce qui fait que ce projet est vraiment spécial pour moi, je trouve. Mia est tellement productive, dans le sens, j'ai jamais vu ça. Là. Je vais pas trop te lancer de fleurs ici, là, mais, oh non, mais on travaille une vitesse assez extraordinaire par bout, puis juste son bagage linguistique est incroyable aussi. Puis moi, l'anglais, pour moi, c'est ma deuxième langue, évidemment. Pour Mia aussi, là. Mais vraiment plus, elle est vraiment plus à la coche que moi en anglais. Mais non, on se complète vraiment bien. Mm-hmm. Puis j'apprends des mots une fois de temps en temps. Là, ouais. Puis elle aussi apprend qu'il y a des mots qui n'existent pas. Je suis comme, ça, man, c'est pas un mot en anglais. Mais ça sonne bien. Ouais, c'est ça. En plus, c'est exactement ça. Oui, en tant que francophone, j'ai pu comprendre ça à 100%. Mais là, vous chantez en français? Puis en anglais, mm-hmm. Est-ce que pour toi, c'est un travail de traduction à ta tête, c'est un texte en français que là, tu veux mettre en anglais ou vice-versa? Pour moi, quand j'écris, ça vient vraiment parler de l'histoire que j'essaie de raconter. Donc, si c'est une histoire qui va mieux en français dans ma tête ou que j'ai vécu en français, ou c'est ça, c'est là que la chanson va être en français. Puis c'est rare que j'écris une chanson dans une langue puis j'essaie de la traduire. C'est un exercice extrêmement difficile, que j'ai essayé de faire, mais ouais. Moi, j'ai commencé en écrivant en anglais. Je me suis donné le défi dans les dernières années à écrire plus en français. Mais mon père est anglophone, donc il me parle qu'en anglais. Donc pour moi, les artistes qui m'inspirent sont pas mal anglophones. Mais j'ai eu un peu ce désir-là de vouloir écrire plus en français. Puis je réalise que ma voix ainsi que ma plume est pas mal différente dans les deux langues. Ça vient pas de la même place, en fait, la voix en anglais. Vraiment pas. Puis j'aime ça de plus en plus, chanter en français. Mm-hmm. C'est sûr que notre projet, en ce moment, on n'en a pas en français, mais mm-hmm. pour ma part, de mon côté, avec le Bridge, on en a quelques-unes. Ouais. Puis les gens y aiment bien. C'est votre moment, on a bien hâte d'entendre ça. Non, merci d'entendre votre mariage musical. Merci. Salut, ici Nicolas Monnette. Et Marc-Antoine Joly. Les deux, on a une émission nommée « De quoi tu parles d'eux » sur les ondes d'Unique FM. Et aujourd'hui, on vous présente Mia Kelly et Nick Loyer.
I sit at the table, wanting her with me, my plate of regret. The taste, well, it fills me. I'll stand all alone in the corner of the room. Wait a neglect kills the flower to bloom. I sleep and I'm the pillow still smells of the perfume she wears. The blanket's still wet with the tears I sweat. Hope is still there in a cold, dark place in my heart. I dare sometimes. Sorry, isn't quite enough when you're using it down on your luck. Ooh, times are tough. Sorry, just isn't. I stare at the walls, they fall all around me. These tears, they still creep. Not forgotten the sound of her feet used to dance on the tiles on the floor. Just songs that I can't bear anymore. I think of the past. She started a fire, forever can't last. Burned out desire. Oh, will she come back with her head and her?
too long. Driving silent, it's life wore me down. I'd like to leave the light of this town. Straight to the heart.
clown, turn and run, just let go, just go. You finally get. Thank you.